7 chiens inconnus les plus puissants du monde. Numéro 7. Berger du Caucase. Le berger du Caucase est une race très ancienne. C'est un chien rustique, fier et extrêmement courageux pour protéger ceux qui lui sont chers. Ces chiens sont en général réputés comme étant très méfiants vis-à-vis de ceux qu'ils ne connaissent pas, mais ils sont dévoués pour leur famille. Ils peuvent vivre dans un environnement très dur, hostile et rempli de prédateurs. Celui-ci a les poils beaucoup plus courts et une queue moins touffue, il est aussi beaucoup plus rare. Numéro 6. Bandog. Le bandog a une musculature très développée et une forme angulaire qui donne au chien un regard très sportif et agile. La plupart sont bringés noirs mais d'autres couleurs incluent le noir, le bleu, le rouge et la couleur fauve. Le bandog est un chien extrêmement intelligent, confiant et très docile. Comme tous les mastifs, il doit avoir un propriétaire qui est assez strict. Bien qu'il ne soit pas reproduit en tant que chien de combat, il est dans l'ensemble un chien très agressif. Numéro 5. Guldon. Aussi connu comme le bulldog pakistanais, est une race de chiens utilisée pour la protection et la lutte contre les chiens. Maintenant, les gens ont réalisé que cette race a un grand potentiel en tant que compagnon et chien de garde, et certains éleveurs se concentrent lentement sur les caractéristiques dociles. Le guldon est un bas de nylon solide et musclé, de constitution solide et résistante, de large poitrine et d'un énorme crâne d'une race très sportive et agile, surprenante. Numéro 4. Bull Terrier. Est un chien d'origine anglaise, appartenant au groupe des terriers et non celui des molosses. Il commença sa carrière comme chien de combat. En effet, il a durant un temps combattu des animaux sauvages ou domestiques, ours, taureaux ou équidés. Le bull terrier actuel ne présente plus les caractéristiques pour lesquelles il a été créé. Il peut être brusque à cause de sa puissante musculature et de son physique compact, mais il est très jovial avec les gens. Numéro 3. Berger d'Anatolie. Aussi connu sous le nom de Kangal, est une race de chiens originaire de Turquie, de grande taille. Il s'agit d'un chien de berger utilisé pour la protection de troupeaux contre les prédateurs naturels tels que le loup. Après commence également à être utilisé en tant que chien de guerre. Le berger d'Anatolie descend des chiens de chasse puissants qui existaient en Mésopotamie. Est aujourd'hui l'un des emblèmes nationaux de son pays d'origine. Numéro 2. Alangu. Est un molosse au très fort tempérament. Malheureusement sélectionné pour les combats de chiens dans son pays d'origine, l'Alangu mastif en garde un caractère très agressif. Son instinct de gardien et de protecteur en fait un excellent chien de garde, mais qui peut s'avérer dangereux si un inconnu pénétrait sur son territoire. C'est un chien très protecteur avec son maître. N'est pas non plus recommandé de le mettre en contact avec d'autres chiens à la maison, et encore moins avec des chats. Numéro 1. Berger d'Asie centrale. Les bergers d'Asie centrale sont d'un tempérament remarquablement serein et équilibré. Est un chien doté d'un fort instinct de protection et de caractère calme, équilibré et courageux. Outre son utilisation en tant que chien de berger, il est doté d'aptitudes comme chien de garde. Ils n'aboient jamais sans raison et grâce à leur assurance prononcée ils gardent longtemps leur calme, même quand ils sont provoqués. Est un chien de montagne de grande taille, de construction grossière et massive.